Bon, Gorée n'a jamais battu Diamar, mais aussi on veut le mettre dans le cadre de football. Aujourd'hui, on a une défaite, mais une défaite amère, parce que quand on prend une défaite comme ça, c'est très dur. Déjà, l'arbitre, il a pris une double sanction, penalty plus expulsion du gardien, alors que moi, j'ai vu notre dernier défenseur qui était là. Donc, je ne pouvais pas voir penalty plus expulsion. Mais il n'y avait même pas penalty, si ce que j'ai vu, moi je parlais aussi avec le gardien, il m'a dit que je l'ai. Peut-être, comme on dit, les footballeurs, ils disent qu'ils ne l'ont pas touché. Mais aussi, le match s'est décidé sur ça. Donc, on ne peut pas se focaliser sur l'arbitre aussi, mais Diamara a gagné, ils ont mérité leur victoire. Bravo. Vous savez, jouer à 10, c'était très difficile à l'extérieur aussi, à Diamara ici, qui ont eu quand même la maîtrise du ballon. Donc, ça a été difficile, mais aussi, on n'a pas été ridicule. Parce nous avons pu tenir le ballon, même à 10, mais c'était très difficile. Aussi, nous leur avons aussi donné quelques occasions, nous leur avons donné des ballons faciles. C'est ça aussi qui a fait qu'ils ont pris confiance. Mais aussi, le penalty leur a donné plus de confiance parce que l'arbitre, il y avait. Moi, je dis que je suis formel sur le penalty peut-être, mais il n'y avait pas penalty. Même à expulser notre gardien sur ça, ça a été très dur pour nous. Qui a eu une défaite? Nous. Ils ont fait un ou bien. On les a battus de 1, donc ce sera difficile pour toutes les deux équipes. Donc, je dis que on va continuer le travail, c'est dur pour tout le monde. On va voir, le match sera difficile pour toutes les deux équipes qui viennent de défaite, donc on va voir. Comme vous savez aussi, des fois, il y a la malchance contre Linger, on devait remporter le match. Contre Wakam, dernière minute, on égalise. Bon, c'est le coup de dessin aussi. Il faut qu'on soit des croyants. Bon, c'est le football qui est comme ça. Aujourd'hui, on a perdu. On lève la tête et on se dit qu'on va préparer le match Djaraf. C'est le football. Moi, je dis qu'aussi, même si on a perdu, bon, il faut corriger et voir les mauvaises choses, les enlever. Après, on va voir. Tirer ce qu'il y a de bon dans ce match-là et puis en prendre des enseignements.